J'ai une bonne, très bonne place pour vous. Si vous voulez parisienne. Oui, c'est moi. D'abord, il n'y a de bonne place nulle part. Il n'y a pas de mauvaise place. Il n'y a que de mauvais maîtres. Non, que des mauvais domestiques. Vous avez une jolie taille, une jolie figure. Vous pourrez vous arriver des choses heureuses. Avec de la conduite. Couchez ! Avec de l'inconduite, vous voulez dire. Ça dépend des façons de voir. Madame. Merci, Joseph. Vous avez une belle toilette. Merci, madame. Vous en changerez tout de suite. Oui, madame. Allons, monsieur. Allons. Qu'est-ce que ça, Célestine ? Encore un mot de plus, et cette fois, je dis toi, madame. Célestine. D'abord, ma petite au prieuré, on ne garde pas une seule femme de chambre. Quand c'est pour madame qui les renvoie, c'est monsieur qui les embrosse. À l'avenir, je vous prie de ne pas rester si longtemps dehors. Est-ce qu'elle commence à m'agacer, celle-là ? Qu'est-ce que vous dites ? Je ne dis rien, madame. Célestine ! Le jour de l'argenterie, vous l'avez oublié ? Oui, madame. Allez tout de suite chercher la viande des chiens. Apportez-moi une aiguille. Apportez-moi du fil. Bon, apportez-moi des ciseaux. Et dépêchez-vous. On ne peut pas obliger une femme à faire ce qu'elle refuse de faire. Je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas qu'on se mette du parfum. Eh, madame, ça ne peut empêcher d'une fois se faire trancher, ça te ferait du bien. De vous, Célestine. On ne s'engage pas dans la vie sans réfléchir. Peut-être que je me suis trompé sur vous. Quand je pense qu'une cuisinière, par exemple, tient chaque jour dans ses mains la vie de ses maîtres... Madame, on a volé ! Oh mon Dieu ! Une pincée d'arsenic à la place du sel, et ça y est. Eh bien non, faut-il que nous ayons tout de même la servitude dans le sang ?